Zou, le décorateur de jardin. Voilà pour toi, Puck. Ma chef vient dîner ce soir, alors s'il vous plaît, faites attention à tout laisser en ordre. Ce soir? Oh, je vais m'occuper du jardin. Il faut que je ramasse les feuilles mortes et les pommes de pin. Merci. S'il continue à faire beau, nous pourrons prendre un verre de limonade dans le jardin. Tu vas quitter ton travail plus tôt? Et non, comme d'habitude. Je ferai les courses pour le dîner sur le chemin du retour. Ah, j'espère que j'aurai fini de tout préparer à temps. Je peux t'aider? Et si tu accrochais tes peintures dans le salon? Ma chef aime beaucoup l'art. Génial! Je vais choisir les meilleures. Je t'aiderai à les accrocher. Oh, merci mon Zou. Ça devrait aider à faire bonne impression. Un peu plus à droite, papy. Comme ça? Oui, parfait. Hé, Puck, ce n'est pas un perchoir. Puck. Salut. Salut, Zou. Qu'est-ce que tu fais? La chef de maman vient manger ce soir, alors on décore la maison avec mes tableaux. Oh, ça a l'air important. Est-ce que je peux vous aider? On a fini. On a déjà accroché tous les tableaux au mur de la maison. Et si on allait décorer le jardin maintenant? C'est vrai? Vous allez décorer le jardin? Oui. La chef de maman adore les œuvres d'art. À nous de jouer, Elsie. Je me demande quelles idées vous allez trouver, les artistes. Je vais voir s'il y a des objets qui pourraient m'inspirer dans la cuisine. Et je vais aller chercher mes peintures. Mamie, je peux t'emprunter ça? Bien sûr, Zou. Ça ne me dérange pas. Mais que vas-tu faire avec? Je vais décorer le jardin. Maman a dit qu'elle voulait que la maison soit jolie. Oh, veux-tu aussi ces cuillères en plastique? Oh oui, s'il te plaît. Merci, mamie. On pourrait commencer par ajouter un peu de couleur. Bonne idée. Où est-ce que je le mets? Voyons. Que ferait un artiste à notre place? Que veux-tu dire, Zou? Oh! Voilà sa place! Oui, ça c'est amusant! Pour qu'un objet trouve sa place, il suffit de le lancer! Wow! Là! C'est génial! Il manque quelque chose. J'ai une idée. Viens vite, Elsie. J'espère que ça plaira à maman. Oh! Alors, maman, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi le jardin est-il recouvert de déchets? C'est de la décoration. On a décoré la maison et le jardin. Oh. Et... Oh, Zou! Je suis sûre que tu voulais bien faire, mais ta décoration est... Comment t'expliquer? Ce serait peut-être mieux si on enlevait les bouteilles. Oh, je crois que ce ne sera pas suffisant. Le jardin est sans dessus-dessous. Je n'aurai jamais le temps de le ranger avant que ma chef n'arrive. On va vous aider! Il me reste plus qu'une heure. Je n'ai pas encore fait les courses et je dois aussi préparer le dîner. Je crois que je ferais mieux d'annuler. Ne fais pas ça! On va tout remettre en ordre, exactement comme c'était. Promis. Et je vais les aider. Peut-être que papa ou mamie pourraient s'occuper des courses pour toi. Ça, c'est une bonne idée. Je vais leur demander. Je crois que maman n'a pas aimé notre décoration.
quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a raté la décoration pour maman. Je n'aurais jamais pensé que décorer un jardin était si difficile. Vous avez décoré le jardin? Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous l'avez embelli. Non, pas vraiment. Maman n'est pas très contente. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience. Est-ce que vous voulez de l'aide? Oh oui! Merci, maman! Mais cette fois, on va réfléchir ensemble avant de passer à l'action. Nous revoilà, nous avons trouvé tout ce dont maman avait besoin. Ah, je suis venue aider Zou et Elsée à décorer votre jardin. Oh, merci, que c'est gentil. On ferait mieux de se dépêcher, on va manquer de temps. Rassurez-vous, je vais vous aider à nettoyer tout ça. Et moi, je vais aider maman à préparer le dîner. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez laissé libre cours à votre créativité. On pensait que c'était artistique. Ah, oh, je vois. L'art à l'extérieur, ça s'appelle du land art. Mais il ne suffit pas de laisser libre cours à ses envies. Il faut avoir eu une vraie réflexion avant. Tu veux dire comme quand on fait une rédaction? Exactement. Alors, par quoi allons-nous commencer? Vous pourriez peut-être réfléchir à un thème spécial. C'est vrai, ce serait un bon début, ça. Alors, avec tout ce qu'il y a d'éparpillé dans le jardin, quel thème pourriez-vous choisir? Eh bien... Je sais pas... L'automne? L'automne, oui, c'est très bien. Maintenant, réfléchissons à votre décoration. Elle doit se fondre dans la nature pour en faire ressortir sa beauté. Pourquoi ne pas utiliser les pommes de pin et les feuilles mortes? C'est dans notre thème. Oh, et les noix? Bonne idée, Zou. Ah, tiens, prends-les. J'en ai pris beaucoup trop. Merci. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Ah, nous n'avons plus qu'à imaginer la meilleure façon d'agencer tout ça. On va garder tout ça? C'est pas très naturel. C'est vrai, mais assemblée, elle crée un motif intéressant. Pouvez-vous couper ces bouteilles en plastique, s'il vous plaît? Il faudrait attacher une ficelle de chaque côté. Oui, bien sûr. Je dois avoir tout ce qu'il faut dans le garage. Dites-moi, et si on repeignait ces pierres dans des couleurs automnales? Bonne idée. Ah, voilà. Tenez, utilisez cette palette. Oh oui, les couleurs sont superbes. Regarde, Puck est un artiste aussi. Oh, peux-tu attacher ces feuilles ensemble, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr, oui. Oh, tiens, avec ça, ce sera plus facile de percer les trous dans les feuilles. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Merci, tu m'as vraiment aidée. Oh, comme je dis toujours, rien de tel que le travail d'équipe. J'espère que le jardin est revenu à son état normal. Oh! Alors, maman, tu aimes? Si j'aime! Zou, c'est une véritable œuvre d'art. Vraiment. Bravo, c'est très beau et très artistique. Ta chef vient d'appeler. Elle a été retenue au travail. Elle voulait te demander si tu ne pouvais pas reporter le dîner à demain soir. Quoi? Eh bien, oh, et pourquoi pas? Après tout, ces belles décorations seront encore ici demain. Pourquoi ne faisons-nous pas un pique-nique dans le jardin? Vous vous joignez à nous? En voilà une bonne idée. Avec plaisir. On n'a pas tous les jours l'occasion de manger en plein milieu d'une œuvre d'art. Ouais! Ha 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 ha!